Bonjour à tous mes chers amis et merci de me retrouver dans cette guidance des anges. En effet, j'avais envie de vous proposer cette guidance intemporelle que vous appréciez particulièrement. Intemporelle veut dire que peu importe à quel moment vous regarderez cette vidéo, que ce soit aujourd'hui, demain, dans 6 mois ou dans 10 ans, si vous êtes appelé à la voir, c'est qu'il y a probablement un message qui vous est attribué afin de vous aider eh bien, à traverser une épreuve qui serait difficile. Si vous êtes rempli de questions et que vous ne parvenez pas à trouver des réponses, et bien peut-être ici qu'il y aura une réponse pour vous aider. Pour cela, je vais utiliser le cercle messager des anges de Doreen Virtue, qui est une sorte de jeu de société version divinatoire, accompagné de différents oracles comme les réponses angéliques pour apporter justement une précision par oui ou par non à l'une de vos questions. On utilisera l'oracle des anges toujours de Doreen Virtue pour venir détailler le domaine que l'on va travailler et également on prendra une petite carte de l'oracle divinange de Dorine Gilbert cette fois-ci pour venir eh bien apporter une précision. On va tout d'abord commencer par diviser notre cercle des anges puisque comme vous le voyez il y a 12 colonnes et nous on veut travailler uniquement deux domaines. Donc je vais diviser ce cercle de façon complètement arbitraire avec cette première colonne qui sera la colonne de l'argent. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc on va se placer ici en face sur le cheminement spirituel qui sera donc l'autre partie que l'on va travailler. On va d'abord définir les sujets que l'on va travailler. Le premier, nous avons un 5, 1, 2, 3, 4, 5, et ce sera les amis ainsi que la famille. Et pour l'autre domaine, nous avons un 4, 1, 2, 3, 4, et ce sera quand cela arrivera-t-il? Donc ici, on a une question de temporalité et l'autre, on va nous parler de la famille et des amis. Tout d'abord, établissons quel est le domaine précis que l'on va travailler dans la famille et les amis. Nous avons un 3, 1, 2, 3 et nous avons les plaisirs. Les plaisirs pour la famille et les amis. Et pour le deuxième, nous aurons 5 et 4, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et nous aurons la date de l'été pour la temporalité. Allez, on va venir détailler ça tout d'abord avec la famille et les amis. On nous parle de plaisir. Et la carte que nous avons, c'est la joie. Nous avons un ange qui nous dit « La joie est l'énergie la plus élevée. Elle naît de votre gratitude pour les cadeaux de chaque instant et donne la sensation magique que tout est possible. Elle vous permet d'attirer le meilleur et de créer présent et futur à leur niveau le plus élevé. » Ici, un bien joli message qui nous parle de joie et qui, je ne sais pas pourquoi, m'évoque aussi un sentiment un peu carpe diem, c'est-à-dire de profiter de la vie. Si à l'heure actuelle, vous posez des questions sur différents domaines de votre vie, qu'il y a des choses qui vous turlupinent comme le travail, l'aspect financier, la santé, etc., eh bien, j'ai envie de vous dire, cessez de vous prendre la tête, cessez de gaspiller de l'énergie et surtout d'être consumé et dévoré par toutes ces choses qui vous font poser des questions et font que votre cerveau n'arrive jamais à se mettre sur pause. Essayez de tout simplement profiter de la vie à l'instant où se présentent les choses. Effectivement, la famille et les amis peuvent représenter un cercle particulièrement bienveillant. Alors attention, quand je dis un cercle bienveillant, ce n'est pas valable pour toutes les familles et tous les amis, on est bien d'accord. Mais si vous avez la chance d'avoir une famille ou des amis, eh bien profitez-en parce que ça peut être votre ressourcement. Et vous avez autant besoin d'eux que eux ont besoin de vous également. Pareil pour les amis, hein, je fais référence uniquement pour des personnes fiables, des personnes sincères, des personnes honnêtes sur qui vous pouvez compter. Et les amis et la famille, il faut bien vous dire quelque chose, c'est que la famille n'est pas nécessairement composée d'êtres avec qui vous partagez le même sang, le même patrimoine génétique. Ça peut être des personnes avec qui vous partagez des valeurs de cœur, hein, ce qu'on appelle la famille de cœur. Et les amis, c'est pareil, vous n'avez pas besoin d'avoir des amis physiquement présents autour de vous. Vous pouvez très bien avoir des amis longue distance. Ici, on parle de personnes qui sont sincères, de personnes qui sont honnêtes. Il y a un aspect ici de profiter des choses. Apprenez à vous ressourcer et à vous recentrer et surtout pouvoir évacuer tout ce que vous portez en vous, dans votre tête, les fardeaux que vous portez. N'ayez pas peur aussi de les partager avec ceux qui sont sincères. Toutes les personnes qui vous aiment véritablement prendront du plaisir à vous aider également et
peut-être aussi qu'ils n'osent pas vous proposer leur aide. C'est aussi à vous de la solliciter. N'ayez pas peur de demander de l'aide. Alors je sais que c'est quelque chose qui est particulièrement difficile, surtout aujourd'hui où les gens ont assez facilement, on pourrait dire, avoir tendance à nous balancer certaines réflexions comme « avec tout ce que j'ai fait pour toi, etc. etc. » Je pense que tous, on a entendu un jour cette phrase-là et par conséquent, on n'ose plus rien demander. On aime se débrouiller par soi-même et n'être tributaire de personne. Mais parfois, dans la vie, on a aussi besoin qu'on porte un peu nos fardeaux. Parfois, quand le poids devient trop lourd, quand certaines choses deviennent trop lourdes, il faut les... alors, je vais pas dire les partager, mais il faut savoir demander de l'aide. Ne pas avoir cette fausse pudeur, ne pas avoir peur également de partager ses faiblesses. Alors attention avec qui vous les partagez, bien évidemment, mais ne pas avoir peur ici de les partager. Au contraire, ça vous permettra eh bien, de vous soulager d'un poids qui pourrait être important et pouvoir aussi être comblé par d'autres choses. En effet, ceux qui vous aiment sincèrement vous apporteront un conseil bienveillant, peut-être vous mettront face aussi à certaines choses que vous n'osez pas affronter. Voilà, les personnes qui vous aiment auront toujours cette tendance à essayer de vous remettre sur un bon chemin. Même si parfois la vérité peut piquer, la vérité peut blesser, on n'aime pas toujours entendre toutes les vérités, mais elles sont nécessaires pour notre évolution, pour la compréhension de quelque chose. Si par exemple on a tendance toujours à se remettre dans les mêmes situations, le même pétrin, à revivre les mêmes choses, eh bien ça pourrait être intéressant d'avoir un avis extérieur qui nous dirait que c'est un petit peu de notre faute parce que quelque part on cherche un petit peu notre malheur, mais ça on n'a pas envie de l'entendre, ça fait pas plaisir de savoir qu'on fait des erreurs, mais si on nous l'apporte de façon bienveillante pour justement nous aider à évoluer et à comprendre certaines choses, il n'y a pas de raison de s'offusquer ni de se vexer. Là, en l'occurrence, on nous parle ici de joie et de plaisir. Apprenez également à vous faire plaisir, à prendre du plaisir. Ça, c'est quelque chose que beaucoup de personnes ont du mal. S'autoriser le droit d'être heureux. Hein. À chaque fois, on a l'impression de ne pas être légitime au bonheur. Et ça, malheureusement, on doit en grande partie à notre société actuelle et à différentes personnes particulièrement malsaine, eh bien toutes ces personnes-là, il ne faut pas les écouter et nous sommes tous légitimes au bonheur, nous avons tous le droit au bonheur, au plaisir, etc. Mais c'est aussi à vous de profiter de chaque instant de la vie, c'est-à-dire que si pour vous, votre bonheur, c'est un objectif que vous êtes fixé. Je vais vous prendre un exemple très concret. Imaginons que pour vous, la définition du bonheur, c'est une petite ferme provençale dans un champ de lavande avec le petit golden retriever qui va bien, la petite voiture qui va bien, le petit mari ou la petite femme qui va bien, les enfants qui vont bien. Vous voyez, si pour vous, la conception du bonheur se définit sur une liste, sur une to-do list, vous êtes mal barré, vous êtes très mal barré parce que le bonheur, ce n'est pas quelque chose qui peut s'acheter, ce n'est pas quelque chose qui peut s'acquérir avec de l'argent ou toute autre forme de monétisation ou commercial, on pourrait dire. Le bonheur, c'est quelque chose qui se construit et qui se construit en vivant des choses simples. Une belle journée d'été, il fait très chaud, vous savourez une petite glace qui vous rafraîchit. Ça, c'est un instant de bonheur. Le fait de faire une petite baignade dans la mer, dans l'océan, dans une rivière, dans un lac, c'est un petit instant de bonheur. Un petit apéritif avec des amis ou même en solitaire, peu importe, hein. Une petite soirée jeu de société, votre streamer ou votre youtubeur que vous appréciez et vous le regardez pendant un moment, c'est un petit instant de bonheur. Voilà, tout ça, le vrai bonheur, c'est ça. Le vrai bonheur, ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas un but ultime à acquérir. Ça se compose de plein de petites choses. Le bonheur, on pourrait dire que c'est comme des petites perles. Il faut prendre plusieurs petites perles et ensuite quand on a toutes ces perles, on va pouvoir les assembler pour en faire un bracelet. Et bien c'est ça. Tous ces petits bonheurs mis bout à bout feront le bonheur de votre vie. Donc ici, apprenez tout simplement à profiter des choses simples de la vie, à ne pas toujours courir après des choses qui sont inatteignables, qui sont irréalistes et irréalisables. Mais au contraire, profitez de la joie quand elle se présente à vous, même si elle est fugace, même si elle ne dure pas. Profitez de cet instant-là qui vous fera du bien, qui va vous ressourcer, surtout si c'est un partage avec vos proches, avec des personnes que vous aimez. Profitez de ces instants de plaisir qui vont vous faire du bien, qui vont vous couper aussi du monde extérieur, du stress, de l'anxiété, etc., etc. Savourez ces instants de bonheur, ok? Allez, je vous invite à poser une question par rapport aux amis et à la famille.
Ah, et on a une carte qui vient de se retourner toute seule. Et on nous dit qu'il y a quelque chose de mieux. Eh bien voilà, vous voyez, on vous le dit, si jamais vous avez posé une question par rapport à la famille et aux amis et qui concernait peut-être quelque chose qui vous turlupine, eh bien on vous dit qu'il y a quelque chose de mieux. Donc ici, il y a pour moi une idée peut-être de se couper de quelque chose ou arrêter de se prendre la tête ou de consacrer du temps, de l'énergie pour quelqu'un, pour quelque chose qui n'en vaut peut-être pas la peine parce qu'il y a quelque chose de mieux pour vous. Hein. Ou tout simplement, on vous invite à regarder autrement, à regarder différemment. Si vous continuez et persistez à regarder que dans un seul axe, sous un seul angle, il est probable que vous soyez malheureux parce que la vie ne se regarde pas sous un seul angle. La vie n'est pas ou noire ou blanche. La vie, c'est un camailleux. Et également, la vie, les situations, les problématiques, les gens, il ne faut pas les regarder que sous un seul angle, mais au contraire, prendre le temps de regarder tous les angles possibles afin de pouvoir, eh bien, voir d'autres choses que l'on ne verrez pas. Donc ici, pour moi, il y a cette idée de quelque chose de mieux, mais si vous apprenez aussi à regarder autrement les choses. Allez, on va venir préciser avec l'oracle. Ah bah décidément, les anges, ils ont envie de nous parler aujourd'hui. Et on a une petite carte qui nous dit « ça va bien se passer, ne vous inquiétez pas ». Voilà, si vous aviez ici quelque chose en tête, on vous dit que ça va bien se passer, ne vous inquiétez pas, d'accord ? Ayez confiance en la vie. Je sais que parfois ce n'est pas facile et qu'on a du mal à faire confiance. Je sais que on vit une époque qui est très difficile en ce moment et qu'avoir confiance dans la vie c'est compliqué. Mais n'oubliez pas quelque chose, c'est que ce que nous vivons à l'heure actuelle est dû uniquement à des hommes. Que ce soit vos problèmes d'argent, le fait que vous n'ayez pas de travail, l'avenir qui vous inquiète, je sais pas moi, la pollution, etc., etc., le climat. Toutes ces choses-là malheureusement sont dues à l'homme. N'oubliez pas, il faut apprendre à dissocier la vie que vous avez à cause des hommes, de l'humanité, et la vie elle-même, la vraie vie, l'univers, le cosmos, les énergies, tout ça, d'accord ? Donc, ayez confiance en cette vie-là, la vie du cosmos, de l'univers, du karma. Soyez confiant dans cette vie-là. Que vous n'ayez pas confiance dans la vie que les hommes vous font subir, c'est tout à fait légitime. Mais par contre, ne jetez pas la faute sur la vie, le karma, etc. Et n'oubliez pas aussi que l'on est ce que l'on attire. C'est-à-dire que si on est toujours là dans cette démarche de négativité en se disant « je me prépare au pire, je m'attends au pire » et puis quand le pire effectivement arrive, on se dit « ah, j'avais raison de me préparer », non, quelque part, vous l'aurez peut-être inconsciemment et intentionnellement aussi cherché. Hein, parce que peut-être que vous êtes familier des situations compliquées et par conséquent, vous ne savez pas vivre les instants de bonheur. Pour vous, un instant de bonheur, ça rime forcément avec une catastrophe qui va arriver derrière. Bah oui, mais non, la catastrophe n'est pas toujours là. Mais forcément, si quelque part vous l'attendez, que vous la cherchez et que vous la provoquez, bah, il ne faut pas se plaindre de vivre la catastrophe après. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc ici, profitez des choses telles qu'elles se présentent à vous. Arrêtez de vous inquiéter, les choses vont bien se passer. Ayez simplement confiance et laissez la vie faire les choses. Allez maintenant, deuxième domaine que nous allons traiter, quand cela arrivera-t-il? Et on vous a donné l'indication de l'été. Ça, c'est très intéressant puisque nous arrivons dans la période estivale. L'été sera officiellement prononcé le 21 juin avec le solstice d'été, même si je vous l'ai déjà expliqué que Beltane marquait le début de l'été en termes d'énergie, en termes de spiritualité. C'est depuis Beltane, à savoir le 1er mai, qu'on a accueilli l'été. Donc on est en plein dans cette période. Autrement dit, si vous avez quelque chose à l'heure actuelle, un projet, une envie, n'importe quoi, une réponse que vous attendez, et eh bien préparez-vous à la recevoir là, sur la période de l'été. Par conséquent, si cette vidéo vous la regardez pour cet hiver, par exemple, eh bien ça veut dire que vous aurez votre réponse pour l'été suivant, pour l'été 2023. Hein, et à chaque fois, vous décalez. C'est-à-dire que si vous regardez cette vidéo, je sais pas moi, en hiver 2024, eh bien ce sera l'été 2025. Ce sera adapté en fonction de votre situation. Mais si on vous dit que ce sera pour l'été que les choses vont se débloquer ou que vous allez obtenir votre réponse, on va venir compléter ça. Ah, c'est marrant, on a une carte qui vient de sauter qui est un nouveau partenaire. On nous parle d'une rencontre fortuite, n'est pas un hasard, c'est un événement orchestré par le divin, un catalyseur de la réalisation de vos prières. Remarquez bien les nouvelles personnes que nous mettons sur votre route. Vous les reconnaîtrez à votre sensation de familiarité, d'aisance et de sécurité.
Donc ici, on pourrait nous parler de rencontres. Si vous êtes célibataire, eh bien, pour cet été, vous pourriez faire une rencontre. Mais ça pourrait aussi nous parler, pourquoi pas, hein, vu le domaine qu'on a traité avec la famille et les amis, ça pourrait très bien nous parler aussi d'une rencontre amicale, quelqu'un qui va marquer votre vie, quelqu'un avec qui vous allez avoir comment on pourrait dire, une sorte de coup de cœur qui ne sera pas forcément amoureux, mais qui pourrait être d'ordre amical, quelqu'un, une sorte de flamme jumelle, voilà, une flamme jumelle, quelqu'un que vous allez rencontrer. Et on vous a dit ici que ça ne sera pas un hasard. Si vous êtes amené à rencontrer cette personne pour la période de l'été, ça ne sera pas un hasard, ça aura été voulu, il y aura une intention derrière ça. Nous avons le lâcher prise sur le passé. Vous êtes las de porter le fardeau de votre passé. Ami très cher, il est temps d'abandonner cette lourde charge. N'en conservez que l'amour et les leçons reçues, oubliez tout le reste. Vous n'avez plus ni la volonté, ni le besoin de le garder. Laissez-le s'en aller. Eh bien, là, on a un message qui est très fort et qui vient en plus corroborer ce que je viens de vous dire sur la famille et les amis, le fait de lâcher, hein, apprendre à lâcher les choses, de vous délester des poids lorsque les choses sont vouées à se terminer, lorsque les choses doivent doivent prendre fin. Eh bien, il faut accepter que les choses soient ainsi. Si par exemple vous traversez en ce moment une période de deuil, eh bien, il faut impérativement faire ce processus de deuil. C'est-à-dire que oui, il faut que vous preniez du temps pour vous dans l'épreuve que vous traversez, mais ça ne sert à rien de pleurer pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans. Non, parce que ce n'est pas bon à la fois pour vous, ce n'est pas bon pour l'âme du défunt qui par conséquent peut aussi rester potentiellement bloqué à notre monde, entre les deux mondes. Donc vous l'empêchez de partir parce que il vous sent trop mal, il vous sent trop triste. Donc il peut pas s'en aller, donc lui reste bloqué, vous n'arrivez pas à avancer non plus, et ça c'est valable pour tous les deuils. Je parle des défunts, mais il n'y a pas que les défunts. Lorsqu'une relation amoureuse se termine, il faut apprendre à lâcher prise. Lorsque c'est fini, c'est fini. Après, si le destin, il est écrit que vous devez vous retrouver dans un avenir plus ou moins proche, les choses se feront, mais il faut apprendre à tourner la page. Quand quelque chose est terminé, que ce soit en amour, en amitié, professionnellement parlant, ou même dans la vie de tous les jours, quand on vit quelque chose que l'on perd, eh bien, il faut accepter de l'avoir perdu. Il faut composer avec les nouveaux éléments actuels et il faut surtout apprendre à avancer de nouveau. Donc, ici, on vous dit de lâcher prise sur votre passé. Et c'est lié à l'été. Donc, il y a peut-être ici un travail que vous devez effectuer qui se terminera en été. Ou peut-être que sur cette période estivale, vous allez perdre quelque chose qui pourrait être rattaché à votre passé. Mais là encore, ça ne sera pas dû au hasard. C'est quelque chose qui peut-être est mauvais et malsain pour vous, et par conséquent, comme vous n'arrivez pas à vous en débarrasser, c'est peut-être la vie qui va vous l'enlever de force pour votre bien. D'accord? Hein, donc ici, il y a vraiment une idée ici de lâcher quelque chose qui est lié au passé, de travailler sur son passé, et surtout de laisser couler les poids qu'on a. Hein, parce que très clairement, si vous êtes dans un lac, dans une rivière, dans une mer, et que vous avez les pieds qui sont lestés par des pierres, bah c'est sûr que vous n'arriverez jamais à atteindre la surface et que vous allez mourir noyé. Donc délestez-vous de ces poids qui ne vous apportent rien, mais pire encore, qui vous font reculer, qui vous font baisser votre niveau. Ça peut être des personnes qui font baisser votre niveau parce que elles ne sont pas sur les mêmes fréquences que vous, elles ne vous apportent plus les mêmes choses que vous ne partagez peut-être même plus rien en commun. Donc par conséquent, pourquoi continuer à s'acharner à faire quelque chose alors que non, on sent bien que c'est terminé. Donc autant accepter cette chose, c'est terminé, on met un terme et nous on avance, on se libère de nos chaînes, on se libère des poids qui nous retiennent et on continue d'avancer. Allez, je vous invite à poser une petite question qui est liée à quand cela arrivera-t-il, si vous avez un projet qui peut être plein de choses, un projet professionnel, un projet avec des amis, un projet personnel aussi, et qui serait lié à la période de l'été, posez cette question. Et la réponse est « Obtenez plus d'informations ». Ce qui veut dire que pour l'instant, on ne peut pas vous fournir de réponse parce que vous-même, il vous manque des éléments de réponse. Votre question est soit peut-être incomplète, soit il vous manque des éléments de réponse. C'est-à-dire que si vous avez posé la question, un exemple très bête, est-ce que Kevin m'aime?
C'est une question simple, mais pour répondre à cette question simple, il y a peut-être d'autres éléments qu'il faut prendre en considération et des éléments que vous n'avez pas. Et par conséquent, on ne peut pas répondre à votre question. Donc avant de répondre à votre question, il faut vous-même faire une petite enquête, il faut approfondir, il faut peaufiner, il faut aller chercher d'autres informations, des éléments qui sont manquants pour avoir toutes les pièces du puzzle. Et peut-être qu'une fois que vous aurez reconstitué le puzzle, que vous aurez trouvé toutes les pièces du puzzle, la réponse se manifestera tout simplement à vous. Je reprends l'exemple de Kevin. Vous posez la question, est-ce que Kevin m'aime? C'est une question simple, mais qui peut générer plein d'autres choses derrière. Et si vous creusez un petit peu et que vous découvrez que le Kevin en question est déjà en couple, qu'il est heureux, qu'il est fiancé, qu'il attend un enfant ou n'importe quoi autre, eh bien, vous avez votre réponse. Est-ce que Kevin m'aime? Eh bien, non, s'il est déjà en couple et s'il est heureux en couple, il va peut-être vous aimer, mais vous aimez en tant qu'ami, voyez, ça ne pourra jamais aboutir plus loin. Donc voilà, c'est dans cette idée-là, par rapport à votre question, il va falloir peaufiner les choses, il va falloir apporter plus de précision. Allez, maintenant, en parlant de précision, on va se prendre un petit message de l'oracle Divin Ange. Et on a une carte qui vient de se retourner. Parfait. Et on a tourné la page. Ah bah alors là, les amis, nos anges sont pleins d'humour aujourd'hui. Tournez la page et ça va tellement bien avec le lâcher prise sur le passé. Voilà, il n'y a même pas besoin d'épiloguer davantage. Tournez la page. Le livre n'est pas terminé, mais le chapitre, lui, est terminé. Et par conséquent, tournez la page et écrivez un nouveau chapitre. L'histoire n'est pas finie. L'histoire n'est pas condamnée. Il n'y a pas encore de résolution. On ne connaît pas encore le meurtrier de cette enquête. Donc justement, continuez à écrire et écrivez un nouveau chapitre. Laissez votre passé derrière vous. Laissez ce qui vous retient, ce qui vous emprisonne, qui vous pèse, etc. Vous me laissez ça derrière vous et vous me tournez la page et vous écrivez un nouveau chapitre. Chapitre dans lequel c'est vous qui serez le héros, c'est vous qui allez écrire le dénouement de ce que vous voulez avoir. N'oubliez pas que, oui, une partie du destin ne nous appartient pas, puisqu'il y a des choses qui sont écrites par lesquelles on doit passer. Mais votre vie, elle, vous appartient. Et il y a des choix que vous pouvez faire qui sont à votre portée. Ne remettez pas ces choix aux augures, à la chance, au hasard, n'importe quoi. Non, ne laissez pas passer ces choix. Au contraire, prenez les décisions et prenez les choix. Hein. Ça vous apportera eh bien, d'autres chemins, d'autres opportunités, d'autres rencontres. Mais prenez ces choix, prenez ces décisions, même si parfois elles sont difficiles à prendre. Voilà mes chers amis qui vient conclure notre guidance des anges. J'espère que celle-ci vous aura plu, qu'elle vous aura fait du bien, qu'elle vous aura apporté les éléments de réponse dont vous aviez besoin. Si c'est le cas, je compte sur vous pour liker la vidéo, bien sûr, pour vous abonner à la chaîne, pour rejoindre la chaîne et activer la cloche de notification afin de recevoir toutes les notifications sur les prochaines guidances à venir. En attendant, je vous embrasse fort, puissiez-vous être bénis abondamment et on se retrouve vite dans de prochaines vidéos. Prenez bien soin de vous.